Ah, j'en peux plus. Hein. Je pète un câble, je pète un câble. Salutations les lémures, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 42e épisode sur Braze Edge, on est toujours en mode galère, on a notre manuel, non c'est pas celui-là, on a notre manuel là pour construire notre superbe voiture, la Zaz 01, qui traîne quelque part, je sais plus où il est peut-être même sur moi, non pas du tout, en tout cas j'ai tout ce qu'il faut pour construire une Zaz, mais malheureusement impossible de savoir où et comment. Puisqu'on n'a pas accès au plan ici. Alors je me demande s'il ne faudrait pas trouver un espèce de compartiment qui fasse office. Alors, je ne sais pas du tout si ça va être par là. Compartiment, ouais. Un compartiment de ce style qui fasse office tout simplement de garage. Puisque là, ça permet d'accéder à l'amarrage de la navette, machin et compagnie. Mais il n'y a pas de console dedans. Ou vu que c'est une espèce de couloir. C'est peut-être pour fixer. Ouais, d'amarrage de navette. C'est trop, on va pouvoir construire une navette après. Il vous permet de passer rapidement à la navette à la station sans passer par l'espace. Idéal pour les introvertis, les sociopathes et les misanthropes. Bien que l'espace lui-même leur est tous aussi adapté, si vous y réfléchissez bien. Donc ouais, on n'est pas aidé. Là, il y a le lit. Bon, après, stand d'exposition et compagnie. Ouais, je pourrais le mettre après. Histoire de ranger un petit peu tout ce qui traîne. On a les toilettes qui pourraient être pas mal aussi, vu qu'on n'a pas de toilettes. Mais, ouais, je sais pas si je pourrais rajouter ça ici, quoi, en fait. Parce qu'au final... Ah, je suis même pas dans ma base principale, là. Ma base principale, elle est ici. À moins que je refoute un sas quelque part. Mais, ouais, j'aurais bien foutu les toilettes et compagnie... dans un petit coin, là. Ne serait-ce qu'ici, je rentre, bim bam boum, hop, petit pipi, petit caca, petit popo. Par contre, ouais, c'est pénible, c'est que là, on est perdu, trêve de plaisanterie. Ah, placard, les vitres, les machins, les houblots, on s'en fout un peu. Ça, c'est les renforts, faudra mettre ça plus tard, ainsi que les panneaux solaires. Histoire d'amagasiner un petit peu plus d'énergie, mais on n'a rien du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir, à la conquête de l'espace, j'y vais retracer un petit peu tous les chemins où on est passé ces derniers temps et même depuis le début, bah il est là le manuel. Donc voilà, et puis bah, dès que je trouve quelque chose, on fait un petit bilan et puis on analyse tout ça ensemble parce que là, ouais c'est pas possible quoi, je vais garder tout ça avec moi, mais bon, parce qu'au cas où. Alors première chose que je vais faire, je sais pas si ma... Ouais si elle est là. Et je vais retourner là où j'avais trouvé... Mon aspirateur requête là. Et puis on va voir s'il y a moyen de récupérer ce qu'il faut là-bas. Donc en gros, il faudrait que je descende dans le tube là. Allez, c'est parti, j'y vais. Et je vais voir s'il n'y a pas une trace de notre Zaz là-bas. Ok, donc là on arrive à la zone. D'ailleurs, si on ressort par là-bas tout au bout, il me semble que derrière il y avait des traces. Il y avait une autre petite salle là où il y avait du miel. Si on passe par derrière, alors là il y a un vaisseau derrière. Est-ce qu'il y aurait un tubage comme ça là avec une Zaz à l'intérieur ou un garage? Sinon je vais retourner dans le bâtiment parce que là ouais il y a quoi? Il va y avoir juste un débris de vaisseau et c'est tout quoi. Ah, il y a des boîtes à récupérer et compagnie. Là dans ce coffrage il n'y a rien. Je peux peut-être aller voir à côté, donc là c'est fermé et compagnie. Là j'en ai un autre, mais il n'y a rien. Là, aïe, à ma tête. Ah, je vais peut-être passer par là parce que... Ah, si je m'explose la tête là, c'est vrai que ça m'a pas fait perdre de vie, mais... Ouais, je vais retourner dans le bâtiment, hein. Parce que là, il y avait des traces de la Zaz. Enfin, pas de la Zaz, mais de la roquette. Il y avait un type qui s'était défoncé à... En fonçant, ouais, bah il a foncé là-dedans, là. Tout simplement. Et je me demande si on l'avait pas récupéré ici, puisqu'au final... Ouais, il y a que des... Il y a que des morceaux, des machins, des bidules, mais c'est tout, quoi. Attendez.
Je vais sortir là vite fait. Ah, si j'y arrive. Ah, j'aurais peut-être pas dû rentrer avec. Maintenant, là, je peux rien faire avec. Et c'est ce qu'on a à poser sur notre table. À côté de notre station de fabrication et compagnie. Ah, ça, c'est la station de recherche. Là, il y a le plan. Ah, il y aurait du tissu, mais je suis pas sûr d'avoir des ciseaux sur moi. Non, c'est le seul truc que j'ai pas refait, des ciseaux. Donc ça, c'est fichu. Par contre, ouais, je peux peut-être repartir avec. Et je vais aller fouiller le bâtiment et je vais voir hein, s'il y a, il y a des traces ou une salle qu'on peut scanner et qui fait office de garage ou je sais pas quoi, là. Mais faut absolument qu'on finisse par trouver. Oh les amis, je viens de trouver un manuel, là. Examiner. Une édition rare des sciences physiques en plusieurs volumes. On dirait qu'un intérêt des 50 livres deviendra la personne à avoir lu. Ah, peut-être que je l'avais déjà pris. Au final, je l'avais relaissé ici. Ah, il y a la canette aussi. Ouais, ouais, mais il me semble que tout ça, on l'avait examiné. Comment ça, j'ai plus de place. Vire la bouffe. Et prends-moi ça. Ok. Donc là, pareil, re de la nourriture. Il y aura un bout de gelée par terre. Moi, je vais retourner voir, mais pour le moment, rien. Hein. Ah, lui, on pouvait le déplacer. Ok, bon, bah là, de toute façon, c'est fermé. Je peux pas aller plus loin. Là, je peux même pas appuyer sur les boutons. Alors, on va essayer de voir s'il n'y a pas une autre entrée quelque part. Ah, il faisait partie des Greenpeace, là, du Greenpeace de l'espace. Ah ouais, c'est pénible. C'est pénible, c'est pénible. Ouais, j'ai pas de truc à déchiffrer, je peux rien faire. Ok, alors là, je suis au vaisseau du miel. Ah, c'est bien ça. J'ai traversé de long en large. Mais il n'y a rien de plus. Puis quand on arrive là, ouais, il n'y a rien sur les... sur les côtés, là. Ah, parce qu'effectivement, de l'autre côté, il y en a qu'on peut pas aller visiter. Il faudrait peut-être les inspecter les uns après les autres. Ouais, il n'y a rien non plus, là. Super lourd. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a rien tout du long. Alors, plus bas. Ouais, accélère un peu. Alors, par contre, ouais, c'est trop chiant pour se déplacer. Ça met 3 plombes. Donc là, il y a encore moins de choses. Et sur le côté, bah là, ça va être pareil. Ça va être vide. Sauf s'ils ont décidé de me faire plaisir et à... Mais je vois pas pourquoi ce serait caché sur un côté comme ça, ce serait bizarre. En plus, les trappes, elles sont là. Bon, ça, c'est la trappe principale avec le vaisseau de l'autre côté, ok. Donc là, elles sont fermées. Et au-dessus, il y a rien. Ouais, l'oxygène n'est pas illimité. Tiens, vas-y, j'en ai ramassé. Ouais, 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 c'est pénible, je vous le jure, hein. Mais on va finir par trouver en cherchant, je sais pas où, mais là, bon. C'est parti, hein. Ok, alors vu qu'on est dans la zone électrique, on va essayer d'en profiter. Je sais pas s'il y aura un truc à désactiver, là. Ça va me dire que mon truc va tomber en panne. Ah ouais, attendez, oh! Olé, 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 olé. Oh, on a commencé à prendre tarif. Heureusement que j'ai l'autre combi sur moi parce que... Ah ouais, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a fait mal. Est-ce qu'il y aurait un truc à désactiver là? Non, on était déjà venu. Elle est où ma dernière boule là, à désactiver? J'ai pas fait des grenades de MP pour rien. Eh, il y a l'autre avec son balai brosse là. Ah, je vais aller voir par là, je vais essayer de désactiver ma dernière structure pour voir.
Ah, là-bas. Normalement, vu que j'ai fait plein de carburant, ouais, je devrais avoir de la place pour la prendre. Grenade de MP, que je me trompe pas, ouais. Utiliser. Hop. Allez, c'est parti, on va jeter ça ici. Vise bien. Voilà, merci bien. Noyau d'énergie, mais et ma ZAZ, je la fais où maintenant? Allez les jeunes, on a tout désactivé là. Ça, ça quoi? Ça bouge pas? Non, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Ah, sérieusement là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans cette grosse sphère là? On l'a déjà visité. Je vois pas où aller hein. Je vais reprendre mes recherches là. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs à désactiver pour les noyaux. Mais bon, c'est. Ouais, c'est chaud quoi. Déjà? Ok, j'ai un petit cercueil à ouvrir ici. On va se stopper et on va voir s'il n'y a pas un truc de formidable. Ok, on a récupéré une petite disquette. Je sais pas si on va trouver autre chose. Je crois que là, c'est la zone ouais, de avec le canard. On avait chopé la fusée. Là, c'est ouais, la zone de froid. Je vais aller voir par là pour zioter un coup d'œil. Et puis je verrai si je trouve quelque chose ou non. Alors déjà faut que je reprenne de l'air. Faut que je me trouve une station qui soit pas trop loin là. Là je vais aller prendre de l'air là-bas. C'est parti. Ok, je suis arrivé dans la zone militaire, mais je suis pas sûr que je puisse récupérer de l'oxygène par là. Surtout que ça va être fermé. Ah non, c'est peut-être ouvert. Ah, laissez-moi rentrer. Ah merde. Ah c'est bon, la porte elle est fermée. Ouf. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah, je sais pas comment je vais faire par contre pour ressortir s'ils sont devant. On va faire ça comme ça. On va prendre le pistolet. Et puis même dans la zone militaire, hein, je suis pas sûr de trouver de quoi construire. Après, il y a des structures dehors. On peut peut-être essayer de voir. Mais le seul problème, c'est que les robots vont être désactivés pendant qu'un certain temps. Ah, moi j'ai soif. Ouais, bois. Ah, merde, j'ai tiré pour rien. Ok, alors lui, il est gentil. Par contre, là-bas, il y en a un. Qui va se pointer, non? Ok, je sais pas si je pourrais aller regarder dans la structure là. Je sais pas s'il y aurait quelque chose. Tireur d'élite, succès débloqué. Ah, mais c'est le problème, c'est qu'il est désactivé que pendant un certain temps. Donc, faut que je fasse gaffe. Ouais, ça, je vais en avoir besoin. Merci bien, chef. Ah, il y a des billets à prendre. Il y a quoi au niveau de la tête? Examiner. Faut que j'examine un donut. Ah, tu peux pas me dégager un truc? Au pire, les rouleaux de scotch, ouais, je vais les poser. Ok, le détenteur de poignée est conçu principalement pour la simulation des muscles de l'avant-bras. La faim et le désespoir sont les seules raisons qui pourraient conduire quelqu'un à croquer dedans. Ouais, ok, c'est genre... ça fait style donut, quoi. And not everyone is eager to. Ok, fais voir les billets là. Je sais pas si on peut jeter des billets au robot pour genre les soudoyer. Je vais essayer de prendre un billet de l'équiper. 3. Ah, 3. Je vais essayer d'envoyer une liasse de billets sur le robot. Mais je crois qu'il est désactivé, hein. Je sais pas pendant combien de temps il va l'être. Ah, il y a l'autre qui tire, tiens. Ah ouais, je l'ai soudoyé. Il s'est barré avec la liasse de billets. Ok, on peut les... Ah non, par contre, il y a l'autre qui revient. Là, j'ai pas le temps de prendre une liasse de billets sur moi. Ah ouais, je suis en train de mourir. Non.
You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. Ben ouais, sauvegarde automatique, pas le choix. Ouais, relou, j'ai pas sauvegardé depuis je sais pas combien de temps. Ah, ça merde les chaussettes là. Ok, je suis de retour. Ah, ils auraient pu me faire une sauvegarde dans la... dans la base militaire, c'est abusé quoi. Ah, j'ai une trotte à refaire, c'est juste pas possible. On est là, exactement. C'est juste trop relou. Ah bah écoutez, on va y retourner, hein. Il y a peut-être d'autres choses à voir dans la zone militaire encore, mais je sais pas, je sais pas. Pire des cas, je vais refaire un tour en partant d'ici, puis on verra où ça nous mène. Ici c'est trop génial, trop chouette, trop méga cool. Je suis venu là pour juste galérer, ouais trop bien. J'ai pas sauvegardé depuis un moment. Alors j'enregistre ma partie au milieu nulle part. C'est la chanson du désespoir. J'ai mal au crâne. Ouais gros. Je suis père du coco larico. Il y a tellement de débris et de machins, de bidules, de trucs là. Ok, marche arrière toute parce que la moto elle tombe en panne ici. Donc là, il n'y a rien. Parce que si je vais dans le débris d'à côté. Ah bah ouais, c'est un. C'est là où il y a la charge EMP et tout, où j'ai récupéré le magazine. Ah ouais, là. Là, je vais me prendre une dose d'oxygène au bout, là. Peut-être que dans la zone de froid, il y a un truc qui est caché. Là. Ah bah, moi, ce qui me saoule, c'est que j'ai les plans pour fabriquer la ZAZ. Mais je peux pas, quoi. Là, je peux pas, là, je peux pas. Je sais pas ce qu'il faut pour construire un véhicule. Parce que le pire, c'est que je pourrais aussi construire... J'ai le plan pour construire ma... ma moto. Mais le truc, c'est que je comprends pas comment tu peux construire ta moto. Au début, je m'en souviens même plus comment je construis ma moto. Même plus comment j'ai fait, c'est trop bien. C'est trop bien, il me faut les sous pour soudoyer les méchants. Mais je sais pas comment. On soudoie des robots. Ok, je viens de me taper la grosse sphère, y a rien. Là, y a rien. Parce que là-haut, il y aurait quelque chose, je crois pas. Je vais peut-être faire un tour dans la zone de froid pour voir. Mais après, je repartirai de l'autre côté. Vers la zone militaire. Je sais plus où c'est la zone militaire. Ah, ça va être compliqué pour l'identifier. La grosse boule, je suis rentré dedans. À côté, là, je crois que c'est les panneaux solaires. Ah ouais, c'est chaud. J'allais voir la cave glaciaire. Hein. Non, t'es sérieux, il y a du truc à prendre là. Ah ouais, obligé. Passe-moi la visseuse perceuse défonceuse. Ah non! Ne fais pas ça, man. Tire pas sur la bécane, là. Ah ouais, t'es sérieux? Faut que je répare. 5.
qu'on m'arrête de réparer là. Ah bah assieds-toi là. Ouais, ça a du mal avec certains items. Ah oui, il y en a encore là, mais là j'ai la flemme. Oh les gens, on va se calmer. Là. Ah ouais, c'est chaud là. Ouais ouais, t'inquiète, je mets la combinaison anti-froid là, équipée. Combinaison anti-froid activée. Je pense si je peux rentrer là-dedans, toi. C'est quoi ce truc? Du métal. Le truc, il est tout... Il est tout bleu. Il n'y a pas d'espace pour sortir par là. C'est une petite boule dans une petite boule. On va sortir par là. Hein. Deux, trois Z, donne-moi de l'air. Le point le plus près, c'est où là? Sérieux, Mano, il y a moyen de respirer ici normalement. Ah, il me gonfle pas là. Ah, je peux pas respirer là? T'as pas une machine? Ah, t'es sérieux, man? Ah, il se fout de moi ou quoi? Ah ouais, chaud. J'ai failli mourir. Super. Non, mais vas-y, attrape la moto, là. Ah ouais, c'est chaud, là. C'est chaud, papyrus. Je piche pas ouais, le cratère, là, je l'ai fait. Ah, là, je viens de me défoncer la tête. Bon, la zone de froid, c'est mort, quoi. Enfin, j'espère, hein. Je pense pas que là-bas, il y a un truc. En tout cas, là, il n'y a plus rien. Je vais repasser par là. Je vais déposer tout mon bazar. Je vais me prendre des cartouches d'air. Est-ce qu'il y en a là? Ok, j'ai pas de cartouches d'air, faut que j'aille à côté. C'est ça que vous me dites. Aïe. Oh, t'es sérieux, mais laisse-moi sortir. Oh, je viens de me fracasser le crâne. Respire, prouve que tu existes. Ok, alors là, il y avait un petit missile à stopper. Mais il est stoppé ou pas là? Ah ouais. Il me tire pas dessus. Ok. Ah là là, c'est ouvert. Ah yes.
C'est celui-là une fois que j'ai désactivé et j'ai pas pris le Kénétron. C'est Kénétron, hein? Non, c'est l'outil de décharge. Ok, super. Donc là, forcément, je suis dans la zone de chaleur. Donc on va faire gaffe. Et je suis en train aussi d'essayer d'inspecter tous les vaisseaux là avec ce logo pour essayer de voir s'il n'y a pas un dernier volant à scanner vu qu'il nous en manque un. Peut-être que ça nous débloquera la clé du ZAZ, j'en sais rien du tout. Donc par contre j'ai toujours pas retrouvé le cercueil qu'on avait découvert tout à l'heure. Mais bon. Là, je suppose que là je vais peut-être pas pouvoir respirer. On va faire le test. Alors je suis passé à la base, j'ai fait un petit crochet, j'ai déposé tout ce qui me servait pas. Et j'ai récupéré quelques... Ah c'est quoi, alors déjà je respire. Ouais, j'ai récupéré quelques bouteilles d'oxygène pour être tranquille. Ah ça oui, je m'en souviens, je disais que c'était dommage qu'on puisse pas le récupérer. Donc celui-là, je l'ai scanné. Ok. Là il y a encore de l'eau. Ouais, je vais les prendre au cas où en chemin j'ai soif, mais bon. Maintenant il n'y a plus rien, donc celui-là je peux rien en faire. Faudrait que j'aille là-bas. Parce que ceux qui sont à côté de la maison, je l'ai fait. D'ailleurs celui-là, je sais pas si c'est à la zone électrique. Pareil, à l'intérieur, j'ai pas besoin de le scanner. Donc faudrait que j'en trouve un autre. Faudrait que j'en trouve un autre, mais où? Je ne sais point. Il y a celui-là, celui-là. Il y en a un près de la base. Qui est d'ailleurs pas indiqué. Alors ceux qui sont cassés sont pas indiqués, ouais. Non mais arrête de faire n'importe quoi, s'il te plaît. Heureusement que ça dépense rien. Plus bas. Est-ce qu'il y aurait un truc plus bas? Déjà, là, il y a une espèce d'épave. On va aller voir s'il n'y a pas un truc qui traîne dedans tant qu'on est là. Ça se trouve, on l'a déjà fait en plus. Je sais pas. Ouais, ça se trouve, c'est le gros morceau. Sait-on jamais. Allez, soyons fous, intrépides. Je crois qu'il va falloir que je reprenne la combi électrique, surtout dans le coin. Ah ouais, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ok, donc là, il n'y a rien. Si je vais plus bas par là... Allez, booste-toi un peu, là. Ah, je suis en train de pivoter la tête en même temps que je descends pour essayer de voir correctement, mais bon. Ça me rappelle quand on avait l'habitude de jouer sur console. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de pencher la manette. Rien que pour jouer à Mario Kart, pencher la manette du côté où vous tournez, histoire que... Ça accompagne le mouvement dans le jeu en se disant que ça marchera peut-être plus comme ça. Mais bon. Ok, est-ce que celui-là, c'est celui... Ouais, je crois que c'est celui d'où on vient. Où ça? Ouais, je m'en fous. Donc celui-là, je l'ai fait. Je sais pas où j'ai un autre vaisseau. J'en ai un là. Et puis c'est tout. Les autres, je sais pas où ils sont... Ils sont indiqués. Je sais plus si celui-là, je peux le désactiver. Je crois qu'on avait déjà regardé derrière. On pouvait pas... Je vais pas me prendre le chou. Voilà, comme ça c'est fait. Passe-moi ça. Ah, c'est mission impossible ce truc, c'est pas possible. C'est pas possible quoi. Je sais plus de quel côté aller chercher. J'en peux plus, hein, je vous le jure, j'en peux plus. Tiens, là il y a un boîtier, ça sert à rien. Là,
Là, je vais... Ouais, bah là, j'en viens. J'en viens, je vais pas y retourner, j'en viens. Allez, là, t'as pas une zaz. Ouais, puis au niveau de l'air, là, je suis à... Je suis limité. Dis-moi, il y a un garage, là. Je suis sûr qu'en plus, ici, on respire même pas. Ah, ça m'amène nulle part. Le carton, je peux te le prendre, là, même pas. Il est avec son vomi. Ah, je sais que l'oxygène n'est pas éternel, j'y vais là. Ah ouais, je suis en train de désespérer. C'est un truc de fou finon. Je vais peut-être retourner du côté de la zone militaire. Puis on va essayer de soudoyer les robots là pour qu'ils nous fichent la paix. Et puis on va se jeter dans le coin parce que... c'est pas possible quoi. Faut que je trouve encore un vaisseau là... J'aurais peut-être pas fait gaffe, j'aurais pas scanné le volant. Bah, par contre, la musique, tu peux te calmer. Ouais, même la console, là, je peux pas la scanner. J'aurai un vaisseau ici, j'ai celui-là, là. En haut, du moins, j'en ai pas d'affiché, même par ici. Je vois même pas où je pourrais aller scanner une console. Et puis je sais pas où est ce pseudo garage là. Ah, t'as pas une console là pour me faire... Ouais, le lit, je m'en fous, je l'ai déjà scanné là. T'as pas une Zazo mobile qui est cachée quelque part là? Ah ouais, ils sont pas sérieux. Et puis là, je peux plus... Je peux rien faire de ce côté là. Y a pas d'indice, y a rien. Donnez-moi tout cet espace vide pour rien là. Bon, allez, c'est parti, je vais arrêter de me morfondre et puis je vais me remettre en recherche de notre bonheur. Ah ouais, là c'était les écrans télé. C'est là-bas le danger. Ah ouais, attends, je crois que c'est deux places. Ah, c'est bien ça. J'ai bien fait de boire un coup d'eau d'abord. J'en peux plus, je suis perdu. Je n'en peux plus. Je suis perdu. Je ne sais pas où aller chercher. Oh yeah, j'ai... Ok, alors c'est moi, j'ai besoin d'air, je sais pas si ça va aller, je vais avoir le temps. Je me demande s'ils m'ont pas caché à la Zaz dans une boule de maillot. J'espère pas, hein. Parce que pour la trouver, c'est chaud, quoi. Je vais aller inspecter les boules de maillot pour voir si dans certaines dans lesquelles on peut rentrer, il n'y a pas une Zaz qui est cachée dedans. Mais ouais, après je sais pas, après bah j'irai à la zone militaire hein, pour finir.
Ah, t'es stressante ta musique là. Allez. Ah non, mais laissez-moi sortir. Voilà, merci bien. Ouais, surtout qu'on a la zaz là. On a la zaz. Mais je peux rien en faire à ce stade là. Ici, il n'y a rien. La plateforme, je peux même pas la scanner pour me dire, ouais, voilà. Ça fait office de. De labo, je sais pas quoi. Il manque un volant. Peut-être qu'il faut récupérer un volant et venir le mettre là. C'est peut-être ça aussi. Ça se trouve, faut que je reconstruise mon dernier volant. Et que je vienne là, ou j'en sais rien. Là, la porte, je peux même pas la prendre. Donc peut-être qu'il faut que je scanne le volant. Et quand j'aurai scanné le dernier volant, je pourrai peut-être venir là et en remettre un. Je sais pas, c'est bizarre. Sachant que j'ai un volant qui traîne juste à côté, j'ai envie de dire, c'est un peu se moquer du monde. Parce que j'aurais pu prendre le volant là et le fixer. Alors s'il faut absolument... Ah non, non, j'ai déjà le plan de la ZAZ. Alors je sais pas à quoi vont servir. Je sais pas à quoi vont servir, je sais pas où c'est, équipement. Ouais, c'est là, volant. Pendant des années, les ingénieurs ont essayé de faire un système de contrôle de vaisseau spatial pratique. Ils ont essayé une sorte de joystick de levier étrange avec des boutons et d'autres choses. Cependant, le bon vieux volant fixe reste toujours le meilleur système. En dépit de tous ces inconvénients, le volant est extrêmement fiable et facile à entretenir. Faut que je trouve le dernier. Mais je vois pas pourquoi là, j'aurai la ZAZ. Alors peut-être que j'ai la ZAZ, mais qu'il me faut un volant. Ouais, je sais pas, hein, peut-être que le volant me servira aussi après, peut-être à fabriquer un vaisseau. Je sais point, je ne sais point. Je suis complètement anéanti et perdu. Où est mon scooter? Si je perds mon scooter en plus, j'ai pas fini quoi. Et puis le truc, c'est que même mon scooter, je l'ai, mais si je viens à le casser, je sais même pas où je peux aller le fabriquer. Faut absolument trouver un truc qui sert de plateforme de mécanicien, de je sais pas quoi là. Donc je me dis que vu qu'il y a un truc, un maillot ici. Enfin, il y a la ZAZ surtout, il y a peut-être rien dans la maillot autour, je sais pas. Là, je peux rentrer dedans en plus. Mais ça sert à rien que j'analyse. Ça me sert à rien. Voilà, j'ai fait tout le tour, je débouche sur un bidule machin truc qui m'amène sur la ZAZ qui est en bas. À moins que là, ça, je puisse le scanner, non? Les grosses pinces, là. Je sais pas s'il y aurait un truc à scanner ici, là. Pour la fabrication d'une ZAZ. Parce que là, ça fait vraiment, ouais, garage, quoi. Et même la console, je peux pas la scanner, je peux rien faire. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'elle fout là en plein milieu de rien du tout, quoi? C'est ça, elle est en plein milieu de rien du tout. Ah, ça se trouve, il y en avait plein qui étaient stockés ici. Faut les retrouver. Faut les retrouver. Ah, je respire où, s'il vous plaît, là? Moi, je vais essayer de chercher, hein, et puis bah, on verra bien. Je crois que cette boule, j'ai essayé de rentrer dedans, je peux pas. J'en peux plus, j'en peux plus. Ok, j'ai un truc à examiner là. Ah ouais, effectivement, il a une tête de poil. La nourriture, le manque de nourriture spatiale, savoureuse et bon marché conduit les gens à mener des expériences culinaires strictement interdites à bord des vaisseaux spatiaux. Vous pouvez essayer de récupérer des morceaux de viande. Mais le sort du chef n'incite pas vraiment à le faire. Oddly enough, the death resulted from an acute allergic reaction to an unknown substance. The Breath Edge Funeral Agency strongly recommends using only approved food products in order to determine the cause of your death more accurately. Déterminer la cause de la mort avec précision. Ouais, c'est tout ce que t'as à m'offrir dans ce débris là. Donc je suis dans une grosse boule de maillot. En fait, celle que je vous ai dit que j'allais peut-être visiter, bah en fait non, puisqu'on est en plein dedans. Donc ça se trouve, il va falloir que je m'éclate à faire d'autres sphères de maillot. Alors par contre, ouais, pour sortir, hein, c'est bon, là, on est près du bord. Ah, voilà. Ok, donc cette sphère de maillot, c'est fait. Je sais pas s'il y aurait quelque chose plus haut, non. On retourne sur le même débris. Alors je vais ressortir de l'autre côté. On va essayer d'aller par là. Et puis ben, je vais faire toutes les grosses boules de maillot. Hein.
En m'approchant délicatement d'elle, bien sûr, histoire que je me fracasse pas la tête. Parce qu'il y en a qu'on ne peut pas... dans lesquels on ne peut pas rentrer, bien sûr. Là, si j'y vais là, ça va être tout dur. Voilà, je peux pas passer à travers. Celle-là, je ne sais point si je peux rentrer dedans. Allez, donne-moi... Allez, il y a quelqu'un, il y a peut-être de la zaz pour moi, là. Ah, il y a plein de matos, il y a même des affiches. Examinez. Un magazine avec des filles attrayantes et des pages collantes. Mieux vaut ne pas toucher ça sans une combinaison spatiale. Quoique, même dans une combinaison spatiale, il est plutôt recommandé de ne pas le faire. Ok, bref, moi j'ai faim. Parce que maintenant tu peux le prendre. Ouais, ok. Je suis pas sûr que ce soit de la mayonnaise. Ça, ok, écoute, on va se prendre une petite cartouche là et prends-moi celle-là. Ok, là il y a des toilettes. C'est pas des toilettes que je veux, c'est un garage. Ou un constructeur automobile de l'espace là pour me faire une zaz. Il y a moyen que vous m'offriez ça, les gens, s'il vous plaît, les développeurs, merci. Là, je suis dans une espèce de grosse sphère de maillot. J'ai plus de place pour ça, tes toilettes, je m'en fous, on va aller voir plus bas. Hein. Ah ouais, c'est pas possible, faut tout. En fait, je suis passé trop vite de zone en zone. Et en fait, on pensait avoir tout exploré correctement, mais en fait, trop pas du tout, quoi. Donc ça, c'est fait. Il y aurait une autre sphère de maillot, mais à ça, je crois qu'on peut pas rentrer dedans. Ouais, ouais, toute dure parce qu'elle est au bord d'un caillou. Ça, je crois que je peux pas rentrer dedans non plus. J'y vais tenter ma chance. Alors, peut-être que les sphères qui ont les boules qui bougent là, les gouttes là, peut-être qu'on peut les fouiller. Ça reste à voir. Attention, verdict. Ouais, je peux rentrer dedans. Par contre, c'est chaud parce que niveau oxygène. C'est pas trop ça. As-tu un garage spatial caché dans ta boule de mayonnaise? C'est quoi ça? Du lycoplasma. Pourquoi ils mettent du lycoplasma ici? Ah ouais, c'est chaud. En plus, elle est énorme celle-là. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout, quoi. Ouais, une énorme sphère bien vide. Je vais ressortir par là. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je suis sûr que là-dedans, je vais pas pouvoir y aller, par contre. Ah, par contre, je peux analyser, mais... Ouais, je m'en fous de ton analyseur, ça va rien faire. Vas-y, hop. Ouais, rien d'intéressant. Et celle-là, si tu me l'analyses. Ah, là, il y a des morceaux, là. Ah, par contre, niveau oxygène, ouais, je suis un peu... je suis un peu short, là. Est-ce qu'on les remontant, on trouverait quelque chose? Putain, s'ils ont caché le garage à Azaz, là-dedans, c'est chaud, quand même. Vas-y, remonte un tout petit peu plus haut. Ok, là, je peux pas sortir. Ouais, je suis coincé. Ok, vite, sort. Sort. Je suis coincé. Mais ouais, je sais, là. Ok, là, il n'y a pas de passage. Ah, vas-y, prends une cartouche. Ah ouais, c'est tendu, hein. Il y a plein de morceaux de débris, là, mais je peux rien faire du tout. Je sais même pas où je suis exactement paumé dans ma sphère là. Je vais remonter vers le haut. Vas-y, arrête avec tes analyses, non, on s'en fout là. L'analyseur il m'aura servi deux fois quoi. Une fois pour scanner la maillot et ça servait à rien. Et une fois du côté de l'élevage de bœuf synthétique là. Ah ouais, je suis paumé. Dis-moi, je sors là. Ah ouais, enfin. Ah ouais, c'est chaud quoi. Et là? Someone tried to take a bath in a drinking boiler without reading about the emergency water pumping system starting when waste gets into it. Both were sucked into death. The water contains alkaline detergent.
Un canard en plastique ordinaire. Il semble que quelqu'un a oublié d'ajouter des informations à son sujet dans la base des données de la combinaison spatiale. Ok, bon bah on aura découvert un nouveau truc. Je suis à moitié coincé là. Donc là c'est un truc d'eau qui explose partout. Ok, il a voulu prendre son bain dedans, je sais pas trop quoi. Enfin bon bref. Là dans cette maillot là je peux pas rentrer dedans. Quoique. Ah ouais si je suis dedans là. Enfin. Vite fait quoi. Hein. C'est un. Je vois à travers la texture. Et je peux pas me promener réellement dedans. Peut-être qu'il y a un truc qui est caché. Ah ouais, je peux pas naviguer correctement dedans, mais bon. Et là, je retourne vers... ouais, bah vers mon vaisseau. Donc là, cette boule de maillot, c'est fait. Elle est immensément grande et il n'y a pas grand-chose. Du moins, ça en avait pas l'air. Là, il y a un vaisseau en bas. Je sais pas si c'est celui que j'avais fait au départ. On va aller voir ça si on arrive à descendre assez rapidement. Ouais, c'est celui-là. Bon bah écoute, on va s'arrêter là. Moi je vais continuer mes petites analyses à droite à gauche là. Parce que même là, ouais, si je rentre... ouais, c'est celle où j'étais tout à l'heure avec celui qui est paumé en plein milieu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est là où j'ai récupéré le magazine. Bah, de toute façon, faut que je repasse par là si j'y arrive. Ah non, je suis pas coincé, dites-moi que je suis pas coincé. Non. Vas-y, débloque-toi. Bah écoutez, hein, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Le seul problème, c'est que c'est trop chiant. C'est que je vais devoir... revenir ici et refaire tout ce que je viens de faire vu que va falloir que je recharge ma partie si j'arrive pas à me débloquer. Vas-y, c'est pas possible, ça me saoule les bugs comme ça là. Bah écoutez, voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse. On va mourir avec lui, hein, puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis on se retrouvera prochainement pour continuer... la recherche, je vais peut-être le faire un petit peu de mon côté si j'arrive à respirer. Je vais prendre une petite cartouche histoire de pouvoir finir la vidéo sans mourir. Et puis on se retrouvera prochainement pour la suite de nos aventures. Et si vous ne voulez pas les louper, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. C'est juste trop chiant d'être coincé par rien du tout là. Enfin bref, même en descendant, en tournant dans tous les sens, j'arrive pas à me décoincer. Donc je vais essayer de recharger pour voir où ils vont me foutre. J'espère que ce sera après le dernier message avec le canard. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine et survivez bien. Ah, j'ai réussi à me décoincer. Hip hip hip, mettez-moi un petit pouce bleu rien que pour ça s'il vous plaît. Ah, faut que j'évite de me recoincer par contre. Je vais sauvegarder dans le coin et puis je vais y retourner. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine. Excellent. Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.